know I'ma get it poppin', I'ma do my thing. I'ma blow the fuck up, yeah, just know I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know I'ma have my dream girl in my dream house in my dream car. I just know I'ma be a legend, ain't no telling when, but yeah, just know platinum plaques, I see that in my near future. Ass is fat all around me, I call all my chicks Medusa. Off this rap, I've been winning, I could never be no loser. I got racks, I'll be pushing Bentleys, you'll be pushing Supras. Yeah, just know I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know I'ma have my. Bon bah voilà les costauds, aujourd'hui un autre petit essai là des familles. Donc c'est la Suzuki GSX-S1000. On a quasiment une heure là, on va pouvoir se laisser songer avec Miloche pour voir ce que ça donne. Salut. Du coup c'est vraiment permettre de comparer, voir si c'est mieux, si c'est... Voilà, si c'est un peu au contraire de la grosse daube, parce que bon, on n'est pas trop pro japonaise, on n'est pas trop pro 4 cylindres. Bah t'es vraiment un gros mytho quoi. Mythomane. Bon voilà, on va aller se faire une petite balade, une petite GSX-S 1000. Donc elle est toute d'origine, hein. Sortie d'origine, bavette d'origine, super plaque de, des familles. La hauteur de sel, la capacité en litres de l'huile et tout, on s'en fiche. Nous, ce qu'on vous donne, c'est nos ressentis à chaud. Ce que nous, on aime, pareil. On n'est pas des pilotes, donc on n'a pas une expérience de la moto où voilà, on fait pas du rossi, on n'est pas en GP. Le mieux, ça reste de l'essayer vous-même. Maintenant, on essaye de vous faire ressortir les grosses lignes. Ah, on est côte à côte, moi je suis en 5ème. Je pense que s'il met un coup de gaz, il me lâche. T'es en 2 ? Mais il est en 2. Donc il est en 2, voilà, il ouvre, moi je suis en 5. Faut dire que voilà, je peux peut-être repasser en 3, mais je pourrais pas faire mieux. Je suis en mode sport. Le shiver il coupe très tôt. Elle a l'air d'être bien, c'est un peu comme la nouvelle GSX-R. Ils ont fait des lignes qui sont plutôt correctes. Maintenant ce qu'on reproche toujours encore une fois sur ces motos, c'est les finitions quoi. C'est vraiment pas de la finition léchée. C'est un peu comme chez Yamaha malheureusement, ça fait beaucoup plastique. Ça fait beaucoup de... Oh là. C'est de ma faute. Ça fait beaucoup de choses en fait où on a l'impression que ça fait un peu cheap quoi. Mais bon, nous on est habitué à l'italienne, moi j'aime bien que les finitions soient léchées, un petit embrayage propre avec les câbles qui passent bien où il faut. Voilà, un joli compteur, petit GX-1000. Elle est plutôt pas mal. Un petit coloris gris comme ça là. C'est vraiment sympa. Bon, il y a juste l'énorme bavette derrière qui fait aérofrein. Ça c'est vraiment dégueulasse. J'ai récupéré, c'est reparti. Bon allez, proposition de la bête. Miloche il l'a chauffé. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié que ça partait bien. Donc voilà, un gros guidon bien large. On n'est pas sur du type sport. On est vraiment sur du gros roadster pépère, c'est vraiment agréable. Bonne selle, c'est plutôt confort. Les commandes ont l'air douces. Hein. Allez, on est parti. Comme ça, on va tout de suite tester l'angle de braquage. Bah, nickel. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire un petit demi-tour. Hein. Alors, premières impressions dessus. Bah déjà... Ça a l'air d'envoyer un petit peu. Porte très très bien en virage, même si on n'est pas à des vitesses de fou. On n'a pas de mouvement de fourche parasite. Ah, et puis là ça ouvre bien comme il faut quoi. Au-dessus de 6-7 000 là ça commence à causer.
Vous voyez, au-dessus de 6000, là, ça commence à allonger un peu. En dessous, ça part gentiment. Vous vous faites pas de frayeur. La moto est vachement sécurisante. Hein. Vous voyez, ça monte, je suis en quatrième. Qu'à savoir que dessus, il y a un traction control couplé à l'anti-wheeling. Donc là, actuellement, il est sur 1. On peut le voir juste ici. On gère avec les petites molettes. Donc vous réglez, ça va de 0 à rien du tout. Donc là, vous êtes vraiment tous les canassons libérés. Ah bah du coup 3, c'est-à-dire le mode pluie. Et là du coup bah vous pouvez tordre la poignée apparemment, l'électronique reprend le dessus. Vous voyez, si on essore un petit peu la poignée en première, hein, on sent l'avant qui se décolle. Mais dès qu'il y a le traction control qui s'active, hop, ça pose. C'est vraiment vraiment cool. Vous faites moins de frayeur comme ça. Donc en tout cas, bah, on sent pas trop le poids par rapport à d'autres motos. L'avant est vachement léger. La position, on n'est pas trop sur l'avant, on est une position un peu neutre, un peu droite sur la moto. Les suspensions, bon là c'est du réglage d'origine. On est bah on est plutôt cool. Vous voyez, on vit là les petites routes un peu cabossées, un peu comme ça. Bon bah ça se passe sans sourciller. On a un tableau de bord qui est plutôt lisible, qui est même très lisible, avec le petit contour. Vous avez du coup dessus bah petite horloge hein, bien évidemment. Vous avez votre petite jauge à essence. Hop, j'ai coupé. Voilà. Pas bien. Vous avez votre petite jauge à essence. Vous avez votre vitesse, indicateur de rapport engagé. Là, je vous disais l'indicateur pour le traction control. Et à côté, du coup, vous avez votre voyant de température, liquide de refroidissement. Il n'y a rien de compliqué, la moto est toute simple. C'est un petit peu ce qui a fait la force chez Suzuki, hein. C'est les motos simples, vous montez dessus et c'est quasi instinctif. Ouais, ça repart en dessous, c'est un peu creux en dessous de 5000. Je chipote, mais voilà. Après, vous roulez beaucoup en deuxième, première, la poignée de gaz, il n'y a pas trop d'un coup, c'est assez doux. C'est linéaire, mais puis bah vous pouvez rouler, vous voyez, 5, vous pouvez rouler à 50 en 6 sans problème, ça repart sur un filet de gaz là, vous ouvrez, vous faites pas de frayeur, même si vous tournez la poignée. Donc on va essayer de déconnecter le traction control, voilà, on l'a mis sur off. On va voir ce que ça fait, hein. Se trouve, je vais m'envoler, me satelliser. Ah, ça lève tout de suite, juste au gaz. Hein. Mon premier au gaz, ça lève. Donc quand vous déconnectez, je pense qu'il y a moyen de s'amuser, mais velu. Donc meuf, parce qu'à mon avis, l'avant... L'avant, il doit partir! Le freinage, c'est du Brembo. Alors, il n'y a pas de Duritavia, donc pour l'endurance, c'est... Si vous faites de la piste, peut-être qu'il faudra investir là-dedans. Mais en tout cas, le feeling est plutôt bon sur l'avant. Alors, il y a mieux, il y a toujours mieux. Et après, on est... On n'est pas sûr du PR19, on n'est pas sûr de tout ça. Voilà, c'est toujours perfectible, mais en tout cas, de base, c'est pas mal. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des finitions. Bah, moi, c'est ça un petit peu qui me gêne. Ouais, vous avez des finitions, c'est pas super joli encore, quoique sur ce modèle-là, ça va. Alors, vous prenez le GSR 7,5, la finition, c'est pas ça, quoi. Alors oui, aussi, pour ceux qui vont dire, parce que je sais qu'il y en a qui vont tout de suite le signaler, il n'y a pas de bulle. Hein, vous allez vous prendre le petit vent dans la tête, il n'y a pas de bulle, ça sert à rien. Donc la bulle, vous la mettez si vous voulez, ne vous faites pas chier. De toute façon, il n'y a pas besoin. Là, vous voyez, avec ces motos-là, ouvrir poignée en grand, c'est quasi impossible de la tenir. Quoi. Sur des routes, vous êtes déjà à des vitesses qu'on peut pas avouer.
bah vous roulez tout le temps en troisième, quatrième, et ça en finit pas de pousser quoi. Vous voyez, je suis qu'en 4, à 7000 tours. La machine elle peut encore largement envoyer. Pour ceux qui cherchent un petit usage piste, je pense que voilà, ça fait le taf comme on dit. Là on va pouvoir remettre un petit peu de gaz. L'avant il bouge pas mal. Hein. Voyez ça flotte. Le bruit de la ligne d'origine il est vraiment 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 sympa. Franchement là-dessus ils ont fait du bon boulot. Parce que avec une ligne complète je pense que ça doit chanter. Ça doit mettre limite trop. Suzuki ils ont toujours fait des motos simples. Je pense que c'est ce qui séduit la plupart des personnes quand les achètent, c'est que c'est simple, c'est facile. Des pièces il y en a de partout. Vous avez une moto qui est polyvalente, qui est performante, qui est agréable. Donc là-dessus, voilà. On sait qu'ils ont mérité leur galon, comme on dit. Maintenant, si vous cherchez un peu plus d'exclusivité, si vous cherchez quelque chose qui est plus pointu, qui tire plus fort, voilà, qu'on voit moins, je pense, au coin des terrasses. Hein, je pense au GX, je pense au GSR, au Z aussi chez Kawa. Bah, il faudra peut-être plus se tourner vers des modèles un peu plus exotiques, Super Duke, Tuono, MT10 qui est vraiment pas mal. MT10 marche très très fort, c'est limite voilà, inexploitable sur route. Je pense que c'est un bon investissement pour celui qui veut se faire plaisir. Rouler le week-end pépère, faire un peu de duo, c'est polyvalent, c'est simple. Voilà. C'est pas trop cher. Enfin, pas trop. Je m'entends. Voilà, retour à la concession. On va avoir fini l'essai. J'espère que j'ai été le plus complet possible. Je vous dis les caractéristiques, j'essaierai de les mettre dans la description. Si vous êtes aux alentours du 78, du 28, tous ces coins-là, je vous recommande Holby Moto. Hein. Ils font du bon boulot. Le gars est super sympa. Et puis allez faire un tour chez lui, regardez, voilà, Holby Moto c'est ici. Et puis vous venez essayer ce petit bijou. C'est pas mal, ça vaut le détour. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain essai. Hein, on peut dire ça comme ça. On se dit salut. Allez, à plus dans le bus, comme on dit. Hein, tchou.